c'était même scène de Gralin. Il est venu souvent. Il nous a fait même la surprise, en 2010, d'amener un ami très cher, et acteur de l'artiste et son modèle, Jean Rochefort. Il en parlera sans doute. C'est le Fernando Trueba dont nous allons parler aujourd'hui, cet après-midi. Il est l'auteur d'une grande, grande filmographie. Je vais citer Belle Époque, Oscar du meilleur film étranger en 1992, El sueño del monoloco, La fiesta de Terrelle, Chico Herrita, et puis son dernier film, L'oubli que nous serons. Cette masterclass de cet après-midi est une masterclass très particulière parce que elle réunit des professeurs, des élèves, des étudiants, le public en général, et elle est organisée conjointement par le rectorat, le groupe de recherche, le CRINI, la faculté des langues, et bien sûr le festival. Je vous demande d'accueillir Fernando Trueba. Que nous avons rencontré Fernando Trueba pour présenter cette masterclass, il nous disait, oh là là, masterclass, plutôt une charla. Il y a ce côté impressionnant, masterclass, conférence, etc. Donc voilà, nous allons avec José amener certains sujets en sachant que c'est lui qui va nous diriger. Et c'est nous qui allons suivre. Nous avions dit, le jour de l'ouverture, que c'était un grand conteur d'histoire. Nous sommes témoins. Il fait des films, mais je dirais que c'est presque, sinon plus intéressant, que de l'écouter parler de tout. De la vie, des gens, des pays, des rues, des continents, etc. Donc, il m'incombe aujourd'hui de commencer le tour des questions. Et ce que je voudrais te demander pour commencer, parce que les spectateurs connaissent tes films, bien sûr, mais ils ne connaissent pas ses débuts, cette enfance, cette famille, cette pension de famille, ce quartier. Et puis surtout, il y a une personne que nous savons que tu aimes beaucoup, que tu aimais beaucoup, c'est ta mère. Est-ce que tu pourrais commencer en parlant de cette partie de ta vie qu'on connaît moins? Bon, c'est... Merci à tous d'être là, bonjour. Et ouais, évidemment, tout le monde, ou presque tout le monde aime sa mère. Hein? Presque tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas sa mère. Hier, j'ai laissé quelqu'un qui laissait sa mère, j'ai oublié, ça viendra, je vais le dire. Et ma mère, c'était une femme du nord de l'Espagne, de Santander. Qui avait 4 ans à la guerre. Son père a été fusillé. Pas pour des raisons... Bon, oui, tous les gens qui sont tirés, c'est pour des raisons politiques. Mais lui, il était un commerçant qui avait un frère qui était curé. Alors, ils sont allés chercher le curé. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris le père de ma mère et ils l'ont tiré. À sa place, ma mère avait 4 ans. Et là, elle est allée à l'école des semaines de sa vie, seulement. Elle n'a pas pu étudier. Et donc, elle lycée. Après, non, après ça. Mais je me rappelle, quand j'étais très petit, de sa lettre, sa calligraphie, elle lisait et écrivait avec une certaine difficulté. Mais surprenamment, j'étais le petit des 3 frères. Plus tard, il y a 5 qui sont venus l'un après l'autre. Mais pendant 6 ans, j'étais le petit des 3 frères. Donc, et ma mère, pour que je ne sois pas séparé tellement de temps de mes frères, il y avait l'école, quelques heures, 4 heures le matin, 2 heures l'après-midi, elle m'a appris à lire et à écrire dans la maison. Et alors, avec 3 ans, je lisais parfaitement. Parfaitement. Même un peu avant. Et j'étais envoyé dans l'école
la rue qui était à côté de la nôtre, qui était, c'était une école qui était, s'appelait Colegio Academia Castilla. Et Colegio Academia Castilla, c'était deux grands, comment se dit, naves, des grandes pièces, non? L'une était une fabrique de hielo, de glace et charbonnerie, et l'autre c'était Colegio Academia Castilla. Et donc c'est là que j'ai étudié, c'était vraiment... Félinien, c'est un mot très court pour qualifier cette école, non? À laquelle je suis allé jusqu'à 5-6 ans. Donc, ma mère, je suis très... elle a eu 8 enfants. Elle ne nous a jamais frappés. Je ne peux pas dire la même chose de mon père. Mais mon père était un mec très sympa, très chaleureux, très carignoso. Mais à l'époque, il était vraiment convaincu que c'était très bon pour nous de nous frapper de temps en temps quand on faisait quelque chose qu'il pensait qu'il n'était pas bien. Alors, avec tout son amour et toute sa sympathie, il nous frappait, des fois même fort. Mais je serais injuste si jamais j'ai un souvenir de lui de sadisme, non? Au moment de nous frapper. Vraiment, il faisait ça avec une conviction chrétienne, non? Et avec un amour pour ses enfants total. Donc il faut voir les côtés. Et ma mère était, on peut dire, angélique, non? C'était quelqu'un qui était la bonté, tout le monde aimait évidemment ses enfants, mais aussi les voisins, les gens du quartier, les amis de mon père, tout le monde aimait ma mère, mes amis de l'école. Je me rappelle un jour, je prends un taxi à Madrid avec Elias Querejeta. Et Elias Querejeta, on parle de cinéma, c'est en espagnol, des choses pendant notre voyage. Et à un moment, on a fait un petit silence et le taxiste dit « Fernando, comment va ta mère ?» Et ça a beaucoup impressionné Elias. Parce que c'était un garçon de mon quartier. Et il avait un souvenir de ma mère, comme tout le monde. Donc, comme un être toujours souriant, qui travaillait. Par exemple, moi, jamais j'ai porté des vêtements achetés dans un magasin. On n'avait pas l'argent pour ça. Alors, ma mère faisait tout. Faisait les pantalons, les chemises, des petites cravates, les manteaux. Elle faisait absolument tout, mais 100%. Sur les chaussures, tout le reste était fait par ma mère. Hein? Même le milieu des bains. Je me rappelle que mon frère, qui était avant moi, il pleurait avec nos milieux de bains parce qu'il disait c'est des bragas, c'est des kilos, ce n'est pas les milieux de bains. Les gens rient de nous à la piscine parce qu'on est ridicule. Hein? Mais c'était une femme formidable. Qui a travaillé toute sa vie, avec tous ses enfants. Et puis, quand on était grand, elle a pu faire ce qu'elle n'a pas pu faire de jeune, c'est de lire. Et je me rappelle les jours où elle m'a montré sa bibliothèque. À la fin de sa vie, elle avait une bibliothèque. Non? Ce sont ses livres. Ce n'étaient pas des livres qu'elle avait hérités de nous, non. Il y avait quelques-uns qu'on lui avait donné cadeau à certaines occasions, mais c'était sa petite bibliothèque avec les auteurs qu'elle aimait. Elle aimait la poésie espagnole, elle aimait Jorge Manrique, elle aimait Machado, elle aimait Baroja, elle aimait beaucoup San Pedro, elle aimait lire, par exemple, elle avait lu. Je l'avais fait cadeau de L'Olvido que seremos quand le livre était publié. Et elle l'avait lu deux fois. Non? Ce qui était quand même remarquable pour quelqu'un comme ma mère. Évidemment, elle lisait plusieurs fois la poésie de Machado, mais un roman, ce n'était pas évident. Et aussi, il y avait un autre livre que je me rappelle qu'elle avait lu deux fois. C'était aussi un livre que mon fils l'avait fait cadeau. Vivre avec Montaigne, un livre d'une femme professeure américaine
qui avait écrit ce livre, Vivre avec Montaigne, et qu'elle adorait ce livre. Est-ce qu'on peut dire que c'est elle qui vous a donné le goût de la lecture? Oui, parce que la maison dont je suis né, il n'y avait aucun livre. Quand je dis aucun, ça veut dire aucun. C'est-à-dire, il y avait un, qui était une Bible, la Carcolunga, la Bible était là, et puis il y avait un petit, c'est pas un livre, un petit livret comme ça, d'une trentaine de pages, qui était les méthodes au Gino, écrit par un curé. Et à cause de ça, peut-être qu'ils sont vus 8 enfants, à cause de ce genre de lecture. Et donc, quand je suis parti de la maison, quand j'avais 19 ans, la maison était pleine de livres. Parce qu'on habitait dans un quartier assez humble, on peut dire. Mais donc, tous les garçons de notre âge recevaient le week-end une semaine là, non, un peu d'argent, je ne sais pas. Il y avait un duro, 5 pesetas ou d'autres plus. Ça dépendait du niveau de l'argent, de la générosité aussi des parents. Et mon père et ma mère ne nous ont jamais donné un sou. Mais pas un sou. Donc on était vraiment pauvres, nous, parmi les garçons. Il y avait des garçons qui étaient plus pauvres que nous, mais qui recevaient de l'argent le dimanche. Ça. Mais chez moi, si tu disais « je vais acheter un livre », elle te disait combien ça coûte et on te donnait l'argent. Alors tu pouvais acheter un livre. C'est comme ça qu'à la fin, ma maison était pleine de livres. On lisait tout. Jules Verne, par exemple, j'ai tout lu. Jules Verne, j'adorais. Vraiment, c'était quelqu'un... J'ai passé la vie à lire L'île mystérieuse, tout Jules Verne. Et maintenant, je crois qu'il y a la musique. Donc, José, vous avez aussi posé quelques questions. On vous avait dit que c'était un formidable conteur, je crois que... Oui, on va aborder ta carrière. Alors, bien sûr, on te connaît tous comme réalisateur, avec une longue et riche, surtout, filmographie. Mais tu as d'autres cordes à ton arc, et notamment, tu es un passionné de musique, et tu es également producteur musical. On se souvient, la grande partie des personnes ici se souviennent du concert qu'on avait organisé avec Chamo Domínguez et Nino Rosselli, grâce à toi, puisque tu étais leur producteur. Et puis je ne peux pas m'empêcher de citer également ce formidable album d'El Cigala, Lágrimas Negras, donc L'Arme Noire, qui est un très bel album que Fernando avait produit également. Spécialiste de jazz, mais pas seulement que de jazz, d'autres musiques aussi. On se souvient aussi que tu es venu une année accompagné d'Antoine Duhamel, ici, qui a fait la musique de plusieurs de tes films, et pas des moindres, en plus pas des moindres. Et on avait senti d'ailleurs un profond respect pour lui, pour son travail à ce personnage dans la musique et dans l'écriture des films. Et je crois, même on en avait parlé, que tu connais même et tu l'as rencontré, Georges Brassens, dans une rencontre assez insolite ici, on va la raconter tout à l'heure si tu veux ici. Tout ça, bien sûr, pour dire que c'est évident que dans ta filmographie, et on retrouve cette passion pour la musique, notamment à travers les documentaires, et El Milagro de Candeal, bien sûr, Calle 54, Chico y Rita, cette musique est présente ici. Alors la question, bien sûr, c'est... Est-ce que tu peux nous parler de cette relation que tu as avec la musique? Moi, je pense que je ne suis pas spécialiste de rien. Je suis comme vous, peut-être quelqu'un de vous, vous êtes spécialiste de certaines musiques ou même jouer un instrument. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis un amateur de la musique, un membre de la musique. C'est de la modestie, c'est de la modestie. Non, je ne suis pas modeste, pas du tout. Mais... C'est la vérité. Donc, mais j'aime beaucoup la musique. Je trouve, en France, il y a eu des philosophes qui ont très bien parlé de la musique. Non? Par exemple, Jean Kelevitz ou Clément Rosset ou certains d'autres aussi. Mais surtout, c'est des qui disaient des choses comme que la musique, c'est ce qui fait la vie
qu'elle mérite la peine. Parce que la vie, c'est pas une chose forcément agréable, non? Mais la musique, c'est une chose mystérieuse et inexplicable, qui peut te donner une joie, pas seulement un plaisir, une joie de vivre, un amour à la vie. La musique, peut-être dans un certain sens, c'est la plus inexplicable de tous les arts, parce que la littérature, elle peut s'expliquer même à travers les mots. Mais la musique, c'est inexplicable. C'est quelque chose un peu magique, dans un certain sens, et que pour ça, elle est une parfaite métaphore de l'art, parce qu'elle peut nous dire d'une forme plus directe ce qui est l'essence de l'art. L'essence de l'art, ce n'est pas les histoires qu'on raconte dans les films. C'est l'essence du cinéma qu'on a ou on n'a pas. Non? Alors on peut faire des films très engagés, on peut raconter des histoires qui sont assez intéressantes. Ce n'est pas ça, l'art. L'art, ce n'est pas le sujet. L'art, ce n'est pas l'idéologie du metteur en scène ou ses bonnes ou mauvaises intentions. Non? L'art, c'est quelque chose qui fait que quand tu vois Pickpocket de Bresson, qui raconte l'histoire d'un voleur assez autiste, assez enfermé, assez psychologiquement pas très bien, et tu sens que ça c'est de l'art. Tu sens que ça, tu es en train de voir quelque chose qui va au-delà de ce qui Bresson est en train de te raconter, qui transcende ça. Donc la musique, elle nous dit ça d'une façon très... Elle peut nous faire heureux. Elle peut nous faire... L'art en général, mais la musique, elle peut faire qu'on oublie les problèmes, qu'on oublie les tragédies, qu'on oublie beaucoup de choses. Quand ma mère était malade, Alzheimer, peu avant de mourir, ça ne rappelait plus presque ni de son nom. Mais elle m'a regardé un jour, elle m'a dit, il y a trois choses que j'ai aimées dans ma vie. Les enfants, les plantes et les chansons. Et j'ai trouvé ça tellement joli. Non? C'est-à-dire les chansons, c'est pas seulement la musique, parce qu'il y a des mots, ils nous disent des choses, presque tout le temps les mêmes choses, non? Que j'aime beaucoup et tout ça, et tout ça. Sauf avec des exceptions notables. Par exemple, Brassens, qui a été mon premier professeur de français. Sans le savoir, j'ai appris le français pour l'écouter, pour le comprendre. Et des fois, il y a eu des mots que j'ai eu des années pour savoir ce que ça signifiait. Quand je venais en France, j'avais des amis français, je les demandais qu'est-ce que ça veut dire ça. Mais c'est pas. Avant de faire la question, j'avais déjà recherché dans une ou deux dictionnaires sans trouver. Brassens, c'était incroyable. Et je l'aimais, je l'ai découvert à 13 ans, par ça. Et pour dire l'important qu'il y a eu dans ma vie, ce matin, j'étais à Paris, je me suis levé pour aller prendre le TGV, pour venir ici. Et donc, je me suis dit, c'est à côté, la gare de Montparnasse, c'est pas tellement loin. C'est un peu ridicule de prendre un taxi, alors j'irai à pied et je prends le petit déjeuner à moitié chemin. Pendant tout ce temps, j'écoutais Brassens. J'avais chez moi, dans mon iPod, de genre des choses, des gens jazz, musique classique, tout ça. Mais ça veut dire qu'après toutes ces années, Brassens, il reste avec moi tout le temps. Il reste à un moment, je me suis rendu compte, j'étais conscient que j'ai marché à Paris en écoutant Brassens tellement d'années après, non, de l'avoir découvert. Alors c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné. J'ai dit toujours, la même façon que les chrétiens avaient les catéchismes, je me rappelle, la Bible et tout ça, et il y avait d'autres qui avaient le Capital de Mars, ou il y avait des gens même qui avaient lu le Livre rouge des morts et tout ça. Pour moi, ça, c'était Brassens qui occupait cette place, qui l'occupait. Et j'ai pensé vraiment, je ne sais pas si je le pense maintenant, mais quand j'étais jeune, je pensais que n'importe quel problème, la réponse était dans une chanson de Brassens.
Parce que ces chansons parlaient des choses meilleures de la vie. Hein? Et surtout de l'amitié, de l'amour, de certaines choses qu'on ne parle pas tellement. Non? Par exemple, une chanson très simple que j'écoutais aujourd'hui, comme les quatre bacheliers, où il y a ces garçons qui sont amenés en commissariat et tout ça, et il y a un qui a la chance d'avoir un père qui ne lui frappe pas, qui ne lui crie pas, et qui lui offre une cigarette. Non? C'est des choses assez inexprimables, mais c'est des choses qui comptent dans la vie. Non? Avoir un père comme ça, non, c'est formidable. Donc, Brassens, je vais visiter. Je suis venu deux fois le voir dans le dernier concert qu'il a fait à Bobino. Par un hasard étrange, j'étais venu une fois et puis je retournais. La deuxième, je venais avec une grande amie, Dolores, qui était une grande fan de connaissait pour Brassens par cœur. Et on est allé dans sa loge après, on nous a permis d'aller dans sa loge, on lui a amené une bouteille de vin et un chorizo espagnol. Il était heureux. Il nous avait dit les disques, le final qu'il avait fait. On a parlé un peu avec lui, on est resté un quart d'heure, même plus. Et c'est un souvenir formidable, c'est un souvenir de cet homme incroyable. L'année dernière, on m'a invité à Sète pour une petite chose, je ne sais pas, un film. Et j'ai accepté, je connaissais Sète, mais j'ai accepté parce que c'était cette semaine, c'était les 100 ans, centenaire de Brassens. Alors j'ai dit, il faut y aller, et j'ai amené quelques fleurs dans sa tombe. C'était un très joli moment. Je ne crois pas dans les tombes ni les fleurs, ni rien, mais je crois à Brassens. Donc la relation avec la France. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, la liaison est toute trouvée en parlant de Brassens, à passer à ta francophilie. Rien, déjà, tout en t'entendant parler ta maîtrise du français, on voit que tu es profondément francophile, tu l'as toujours défendu. Cette empreinte, bien évidemment, se retrouve aussi dans ton œuvre, elle est bien palpable. Et puis, nous, on est bien placé pour le savoir que tu t'intéresses à la culture et à des activités culturelles, puisque ça va bientôt faire 20 ans que tu viens à Nantes, en 2003. Et tu as toujours répondu présent à nos invitations. Quand tu ne tournais pas, tu venais aussi. Donc, voilà. Mais ça va au-delà de Nantes, évidemment. On dit ça de façon plus sensible, parce qu'on est touché, parce qu'à chaque fois, tu nous dis oui quand on t'invite. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, prendre un exemple pour ta francophilie, il y en a énormément, tu viens de citer Brassens, je crois bien sûr parler du film qui est sûrement ton film le plus français, qui est L'artiste et son modèle, où là, c'est une coproduction franco et espagnole. Ouais, c'est espagnol. Ah, il n'y avait pas de production française d'un peu On avait des coproductions très sympas. On en avait parlé, quoi. Oui, mais ils m'ont essayé de convaincre de ne pas faire le film en blanc et noir. Ah ouais. Ils m'ont dit que c'est un suicide, il faut le faire en couleur. Et puis ils m'ont dit aussi, Artiste sans modèle, ça ne nous plaît pas comme titre. Il faudrait trouver quelque chose de plus commercial. Alors je leur ai dit, vraiment, vous êtes très sympa. Peut-être on trouvera une autre occasion pour travailler ensemble. Ça va m'efforcer à faire le film avec moins d'argent, tourner plus vite, mais je ne vais pas le faire avec vous. Oui. Donc on a fait que la production avec l'Espagne. Donc ma francophilie a ses limites aussi. C'est exactement ce que je voulais dire. Un petit coup de canif dans ta francophilie, mais léger par rapport à ce que ça t'a apporté. Et je reviens à ce film parce que c'était à partir de la vie d'un Français, de Mayol, du sculpteur Mayol. Vous êtes inspiré, bien sûr. Inspiré, bien évidemment. Tu n'as pas choisi n'importe qui comme scénariste, parce que évidemment, c'est des gens de votre carrière, et peut-être le plus grand des scénaristes français. Et bien sûr, Jean Rochefort, un acteur avec qui tu avais vraiment envie de tourner, je crois, depuis longtemps. Tu es venu sur cette scène avec lui, c'était un moment inoubliable ici. Alors, la question, c'est comment t'es venu cette francophilie? Dans tous les domaines, dans le cinéma, dans la culture, dans la littérature, tout l'a dit, elle est venue comment chez toi? Tu vois, la
C'est pas peut-être parce que. Mais si jamais, si jamais j'essaye de mettre les choses dans l'ordre, c'était un été, ma mère avait passé le linge et elle avait la radio nationale qui jouait sans s'arrêter tout le temps. Et à un moment, il y avait un cours de français et elle continuait à faire ses choses aussi. Les cours de français étaient là et il y a une chanson de Brassens qui a sonné. Alors, je suis resté comme ça. Et qu'est-ce que c'est joli, ça. Et je ne savais pas qui était Brassens. Et j'ai attendu tout l'été pour rentrer à Madrid, essayer de me renseigner qui était Brassens et trouver des disques ou des choses. Alors, la chanson, c'était les Petits Chevals. Et je ne trouvais pas le disque à Madrid. Je ne trouvais pas. Et finalement, un ami de mon frère aîné m'a dit non, mais c'est pas Brassens, c'est interdit. N'est-ce pas, tous ces disques sont interdits. Ah, pourquoi? Ah, parce qu'il parle de sexe, il attaque les curés, les juges, la police, il parle de pites tout le temps. Il a même une chanson où il incite Franco. Et j'ai dit, tiens, ça c'est formidable. Il me la faut. Et alors, on est arrivé à avoir un disque de Brassens qu'on partageait avec mon frère aîné, mais finalement, quand j'avais 16 et 17 ans, je suis venu faire la vendange dans le sud de la France pour avoir l'argent pour acheter tout Brassens. Alors j'ai acheté tous les longs plays de Brassens et en rentrant, j'avais peur que la police allait dans la douane enlever les disques, mais ils n'étaient pas tellement cultivés. Donc je suis passé avec mes disques, mon père était, ma peur était infondée. Et comme ça, j'ai eu ma première collection de Brassens complète. Qu'alors j'ai acheté plusieurs fois parce que après j'avais cédé, après restauré, après je ne sais pas quoi. Donc, tu passes ta vie à acheter l'intégrale de Brassens une fois, ses livres, tout ça. Donc Brassens, c'est la première chose, le premier moment de ma francophilie, j'ai cru que c'est ça, 13 ans. 15 ans, j'ai tombé amoureux pour la première fois d'une fille française. Donc ça, c'est la deuxième fois et c'est assez important ça. Et puis, en même temps, quand j'ai 15 ans, je vois les films qui marquent ma vie, qui marquent ma vocation, qui est L'enfant sauvage de Truffaut. Donc à partir de là, tout se déchaîne. Non? En plus, la France était juste à côté. Il n'y avait que passer une ligne que Cancon avait fait dans le sol, et qui était en France. Non? Et donc, tu es en Espagne, les films étaient interdits, il y avait des films interdits, des livres interdits, des disques interdits, il y avait tout était interdit. Et la pornographie était interdite, qui est une chose qui me plaisait beaucoup. Et donc, en France, tu avais tout. Tu avais tout. Alors, la meilleure chose que tu pouvais faire dans ta vie, c'est aller en France le plus de fois possible que tu pouvais. Alors, j'ai fait la vendange, la récolte des apricots, la récolte des pêches. J'ai pas mal travaillé, mais j'ai dormi dans la route, hein. J'ai dormi dans des parcs, j'ai dormi dans des maisons, bâtiments de construction, j'ai dormi un peu partout. Hein. Et aussi a été la découverte du cinéma, disons d'une façon, c'est ça ce que je veux faire, ça a été très important. Donc là, il y avait beaucoup de cinéastes américains, des cinéastes de partout dans le monde qui étaient très importants pour moi. Mais il y a un groupe de metteurs en scène français, comme pas seulement Truffaut, mais aussi Renoir, aussi Bresson, aussi Jean Vigo, qui ont été fondamentaux dans ma vie. C'est-à-dire, ma vie aurait été pas la même sans ces gens. Même dans la littérature, il y a des écrivains en français. Par exemple, quand j'étais adolescent, découvrir Rimbaud, découvrir les grands mômes, je me rappelais ça comme des moments magiques de mon adolescence. Et évidemment, Verne, comme tous les enfants en Espagne, ça, c'était pas seulement moi, c'était tout le monde, ou Tintin,
non, d'une autre façon. Hein. Et, mais aussi, oui, je dois dire que ça continue à être un peu comme ça. Il y a pas seulement le français, mais par exemple, je suis passionné du siècle XVIII en France. Non, aussi un peu en Angleterre, en Allemagne, mais surtout en France. Alors je lis tout le temps ça. C'est une des passions de ma vie. J'ai dit à ma femme, je passe plus de temps dans la France du XVIIIe et la Grèce du siècle V avant qu'en Espagne à mon époque. Non, parce que comme je suis tout le temps à lire sur ça, qui est des moments de l'histoire de l'humanité qui me passionnent le plus, vraiment, je passe mon temps là et avec Diderot, avec Condorcet, qui sont des héros, personnel à moi, je trouve que ce sont des gens que j'aurais donné n'importe quoi pour connaître, être un ami d'eux. Je trouve les gens, Diderot, c'est tellement vivant, inquiet, curieux, intelligent, une intelligence qui comprend tout. Et Condorcet, d'une autre façon, avec une espèce de bonté. Condorcet, il y a un grand philosophe, penseur, historien des idées, il se définissait, Isaiah Berlin, anglais, qui dit, il y a une phrase dans ses lettres d'Isaiah Berlin, il dit, Condorcet, c'est probablement le meilleur être humain qui a existé. Et ça, c'est une chose très forte de dire de quelqu'un. Et Isaiah Berlin ne disait pas des choses comme ça, gaiement. Non, je suis d'accord avec. Il n'y a pas quelqu'un qui a essayé d'améliorer la vie des gens dans tous les camps comme Condorcet. C'est-à-dire, Condorcet, dans le 18e siècle, a écrit en défendant les droits des homosexuels. Évidemment, il a écrit un livre défendant les femmes et les droits des femmes, occuper des places dans la vie publique et tout ça. Et il a écrit contre l'esclavage quand toute l'économie de France était fondée sur l'esclavage. Il a écrit pour, comme il était un génie des mathématiques, qui avait été un peu adopté comme parent par D'Alembert, et il s'écrivait, il avait une correspondance avec Euler en Allemagne, et il appliquait toutes ses connaissances de mathématiques à une chose dont il a créé les termes, c'est la démocratie représentative. Ce terme a été vraiment créé par lui. Il a créé la fameuse constitution que vous savez de 1793, qui, je pense, qui a pas été prise parce qu'elle a été refaite par la bande de Robespierre, tout ça. Mais cette constitution de Condorcet, je crois que c'est le modèle de n'importe quelle constitution, n'importe quelle époque. Et donc c'était un type qui, par exemple, ce qu'il a écrit sur l'instruction publique, sur l'éducation, tout le système de la France a été basé sur les écrits de Condorcet. Donc, il n'y a pas quelqu'un comme lui. C'est un mec incroyable. C'est un mec tellement incroyable que quand il sait qu'il est condamné, il va mourir, il doit se cacher, il écrit deux choses. Et le fameux esquisse sur le progrès de l'humanité et une méthode des mathématiques pour sa fille qui avait à l'époque 7 ans, pour l'aider à apprendre les mathématiques. Non? Imagine, vraiment, j'ai pensé que Socrate était la mort la plus sublime parce que juste avant de prendre la... Il avait juste appris, il était en train d'apprendre une mélodie à la flûte, non? Et c'est vraiment remarquable, mais je trouve que Condorcet le dépasse de beaucoup, non? Parce que vraiment Condorcet travaillait toute sa vie, toutes ses forces, toute son intelligence pour améliorer la vie des gens. Alors pour moi c'est mon héros, mon héros. C'est français, bon, il pourrait être allemand, je ne sais pas, mais c'est français, non? On vous avait annoncé, quand on avait présenté la masterclass le jour de l'ouverture,
que Fernando Trueba n'allait surtout pas parler de son cinéma. Et que c'était une ouverture sur finalement tous les arts, les disciplines, les réflexions, le temps passé, le présent. Donc on va essayer quand même, avec José, de l'amener vers son cinéma, mais son cinéma c'est aussi ça. Donc voilà, les frontières sont abolies, on le sait, chez lui. On s'approche, on y arrive peu à peu. On arrive, on ne va pas le lâcher. Là, on veut parler du cinéphile et du critique, parce que tu es passé par d'autres phases avant d'arriver à ton métier de réalisateur. Donc, la question qui pourrait venir là est le cinéma dans tout ça. Quand et comment tu commences à faire du cinéma? On sait que tu n'as pas fait une école de cinéma, que tu t'es inscrit à l'université, dans un centre de chantélisme, mais bon, c'est mieux que tu le racontes, que je te pose des questions. Je essaierai simplement de guider. J'ai rêvé, enfant, j'ai rêvé d'entrer à l'école de cinéma, mais ce qu'on appelait l'école de cinéma est l'école technique, disons, non, où avaient étudié toutes les générations antérieures à moi, Gutiérrez Aragon, même Soa, même. La première école de cinéma en Espagne, dans les années 40, dans les premiers cours, il y avait Berlanga et Bardem. Ils se sont rencontrés les premières années de la première école. Bon, puis il y a eu des différentes écoles. Et moi, j'ai rêvé d'un jour entrer à cette école. Et juste un an après que j'ai pu entrer, ils l'ont fermé. Il paraissait à Franco que l'école de cinéma, et dans ça, ils avaient raison, c'était une cave de rouge. Non? C'était des conspirations contre son régime et tout ça, et qu'il y avait des communistes, je ne sais pas quoi. Et ils sont formés à l'école de cinéma, et ils sont ouverts à une espèce de faculté de journalisme, cinéma, publicité, radio, télévision. Un bordel. Et c'était la seule chose qu'il y avait, je suis entré là, je suis entré, j'ai étudié pendant 2-3 ans, et j'ai abandonné, découragé complètement. Et tu as partagé ces années d'école, etc., avec d'autres personnalités du monde de la culture, du cinéma, Boyero était là à ce moment-là avec toi. Les critiques de cinéma. Très connu en Espagne. Ouais, Boyero, c'était un grand ami. Il continue à l'être, mais on a été un peu loin pendant cette époque sans jamais s'être fâché. Hein? Seulement la vie, il y a des amitiés qui te séparent, des rencontres, tout ça. Je l'aime bien, il est fou complètement. Je l'aime bien. Et il y avait Boyero dans ma classe, il y avait Antonio Resines, qui était le mec le plus amusant, Oscar Ladoire, qui était l'acteur de mon premier film. Et pas mal de gens. Felipe Vega aussi, qui a fait le film, qui était assez ami. Et plusieurs d'autres. Voilà. Puis la critique sur le cinéma arrive comment? Comment tu passes de faculté? Oui, pendant que j'étais à la faculté, je commençais à écrire dans un petit parisco, à l'espagnol, non? Et puis m'ont appelé El País, les gens des País, quelqu'un avait lu mes critiques dans la Guía de l'Ofio, qui s'appelait ça. Et j'ai fait la critique à El País, mais tout ça a duré à peut-être 3 ans parce que j'ai arrêté pour faire mon premier film. Et alors donc, ce premier film, Opéra Prima, que beaucoup de spectateurs qui sont là connaissent, d'autres ne connaissent pas, ce film qui est un film qui marque les années 80 et qui a été un film qui retrace aussi des histoires, qui est vraiment un cinéma comme on n'avait jamais fait en Espagne, qui est un cinéma générationnel aussi, mais je voudrais que ce soit toi qui en parle. Opéra Prima. Bon, Opéra Prima, c'était... Moi, je ne croyais pas qu'on allait faire le film, mais vraiment, je ne croyais pas jusqu'au point que le premier jour de tournage, on commençait la nuit, on tournait la nuit, et je ne conduisais pas à l'époque, ma femme m'a amené au tournage dans sa voiture. Et dans le chemin de l'aéroport, on tournait à l'aéroport, je lui ai dit, quand on arrivera, le tournage sera cancellé. J'étais sûr que ça n'allait pas arriver, vraiment, que quelques problèmes il y aurait, qu'on ne ferait pas le film. Mais je suis arrivé, tout le monde, et il y a un mec qui m'approche et me dit, où est-ce que va la caméra pour la première? Alors,
je réalisais ce que c'était être metteur en scène. C'est que tu devais décider des choses et que les gens allaient faire ce que tu leur dises, même si c'était une connerie. Ou même si tu te trompes complètement, tu as pris la pire décision, tout le monde va t'obéir comme si tu es calme. Hein? Et ils vont faire ce que tu veux. Donc, c'est comme ça que mon premier film s'est fait. C'était un film que je l'avais écrit avec une idée, c'était faisons un film tellement barat, tellement pas cher, qu'il soit impossible de ne pas le faire. Et mes amis se moquaient de moi parce qu'ils me disaient, mais louer la caméra, les labos, les négatifs, payer l'équipe, même si c'est le scénario moins cher, c'est trop cher. Non? Ils avaient raison, mais moi j'avais mon idée fixe, j'ai l'écrit, et un autre metteur en scène l'a lu, et il a ri tellement en lisant le scénario, il pleurait en lisant le scénario de rire, qu'il m'a dit, je te le produis. Je lui ai dit, mais tu ne trouves pas l'argent pour ton prochain film? Comment tu vas produire le tien? Mais le tien, ça ne coûte rien. Il m'a dit. Et je lui ai dit l'argument de mes amis. Mais les labos, les types, les négatifs, ça c'est rien, on va le faire. Et il l'a fait. Il l'a fait. C'était Fernando Colomo, un metteur en scène, qui peut-être est venu ici plusieurs fois, j'imagine, non? Oui. Et c'était peur que tu as eue donc en arrivant et en disant non, le film ne va pas se faire, etc. Est-ce que tu as toujours cette peur quand tu commences à tourner d'autres films où la peur est passée? Oui, disons que j'ai pris 5 ou 6 films pour ne pas avoir panique. Mais panique malade, c'est-à-dire... J'avais dans mes premiers films, j'éprouvais presque pas de plaisir, aucun plaisir à le faire. J'étais tellement oppressé par la responsabilité, la difficulté de faire un film, que j'avais pas de plaisir à le faire. C'était un plaisir de le concevoir, de l'écrire, ou après qu'il était fait, je l'ai fait, non? Je suis fini, mais le procès était très douloureux pour moi. Puis, peu à peu, si c'est un film, j'ai commencé à prendre du plaisir. Pas à perdre la peur ou le respect qu'il faut avoir pour un film. Mais j'ai appris à être heureux même. Non? Il y a certains de mes films où j'ai été heureux en train de faire. Par exemple, ce film-là, Le Dernier en Colombie, c'était un film que j'étais heureux. Mais il y a d'autres, L'Artiste de Saint-Noël, La Ligne de Sort de l'époque. Il y a eu des films qui ont été une espèce de fête où on pouvait travailler tous les heures du monde, mais c'était la fête pour tout le monde, pas seulement pour moi. Même les techniciens, les acteurs, tout le monde était heureux. Alors, quand ça arrive, c'est un espèce de miracle. Non? C'est un miracle. Et ça m'a pris un certain temps d'arriver à ça. Non? Mais, de toute façon, imagine, quand je suis allé en Colombie faire le Dios de Seremos, j'étais terrifié parce que tu vas dans un pays, une culture, un accent, une industrie, des choses que tu ne maîtrises pas. Alors, il ne faut pas se confier ni un second. Tu dois être très attentif, écouter les autres, t'entourer d'une bonne équipe. Tu ne dois pas commettre des erreurs ou commettre le minimum des erreurs. Parce que si tu es chez toi, quand même, tu peux un peu rediriger les choses, mais là, tu es perdu. Donc, j'avais ça, mais en même temps, j'ai eu un plaisir énorme à le faire. J'ai une équipe. Et on le sait. Un casting formidable aussi. Donc, ouais. Mais c'est, il y a, dans la biographie de Billy Wilder, il raconte, il était scénariste à la Paramount, dans les années 30 et tout ça. Et donc, finalement, il obtient les droits qui n'étaient pas évidents pour un écrivain, surtout pour quelqu'un qui était considéré le meilleur écrivain du studio, de devenir metteur en scène.
ça ne les intéressait pas, mais il les a convaincus finalement, il a fait son premier film, et les jours des premiers jours de tournage, il était malade, il a vomi, il était tout ça. Et il y avait quelques metteurs en scène qui étaient amis, des amis à lui, qui travaillaient à Paramount, qui sont allés les visiter, notamment Ernest Lubitsch, qui était son maître, et Preston Starrett. Et quand Lubitsch, qui était très ami, maître, et presque compatriote, presque, lui a venu lui dire bonne chance dans ton tournage, ton premier film, tout ça, il lui a dit je suis malade, je ne peux pas. Et Lubitsch l'a dit, Lubitsch qui avait fait déjà 40 films, ou je ne sais pas combien, il a dit, moi, les premiers jours de tournage, j'ai chié dans mon pantalon à chaque film. Non? Et ça lui a aidé. Savoir que ce n'était pas seulement lui, que c'était une chose, que c'était normal. Ou que si ce n'était pas le cas, alors peut-être tu ne méritais pas d'être le metteur en scène de film. Combien des étudiants ici d'une école de cinéma, je crois que c'est vraiment intéressant d'entendre ça pour essayer d'enlever les peurs de tourner ce film, des fins d'études que certains sont en train de tourner, des projets que certains sont en train de commencer. Donc vous voyez, un grand metteur en scène qui avoue ses peurs. Et puisqu'on parle de ça... Non, j'enlève ça. Et puis on a parlé de la Colombie. Je fais juste une parenthèse, Fernando. Toi, tu es aussi producteur de cinéma. Est-ce que ce n'est pas une peur qui s'ajoute à la peur également du réalisateur si tu te produis également, comme tu l'as fait sur certains films? Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. D'abord, je suis pas. J'ai une maison de production. C'est aussi, Truffaut a été une inspiration pour ça. C'est-à-dire, Truffaut s'est rendu compte s'il voulait faire le film qu'il voulait faire, et pas des choses qu'il ne voulait pas faire, il fallait avoir un certain contrôle. Alors, avoir ta petite boîte de production pour gérer le projet et garder le contrôle du projet, c'est quelque chose qui est commun. Peut-être d'autres l'ont fait avant lui, d'une certaine façon, Hitchcock ou Howard Hawks, même dans le système d'Hollywood, ils étaient au top premier, ils étaient les producteurs de ces films. Non? Mais ce n'était pas normal, ça. Le normal, c'était qu'il y avait un producteur et un metteur en scène, il y avait toujours une espèce de dialectique, de bataille constante entre le producteur et le metteur en scène. Alors, Truffaut, après lui, des gens comme Woody Allen ou Romer, ils se sont dit, bon, j'ai une moyenne de spectateurs comme ça, si je fais un film qui ne soit pas une folie de très, très cher, tout ça, je peux m'en sortir et faire avec indépendance mes projets et mes films. Donc ça a été un peu le modèle que j'ai suivi. C'est pas que je me sens un producteur, non. C'est pour protéger les films. Même pas pour me protéger moi, comme je le sais. Parce que moi, je suis au service des films. Mais pour protéger les films. Alors, pour que quelqu'un entre à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Non? Je me rappelle la première fois qu'un producteur, comme ça, mais propose de faire un film, de me produire un film, j'ai dit ok, mais je ne le fais que si j'ai le contrôle total. C'est-à-dire le contrôle du casting, des scénarios, du montage, le montage final, tout ça, tout ça. Hein? Elle m'a dit, ok, d'accord, seulement les titres, je te l'impose. J'ai dit, mais c'est horrible, les titres, c'est normal. Et il m'a dit, mais ouais, mais ça m'a coûté très cher, ce film. Parce qu'il avait acheté une pièce de théâtre, mais pas le titre. Parce que la pièce avait été retitrée en Espagne. Et la pièce était anglaise. Il y avait un autre titre. Donc il lui fallait le titre espagnol. Il a payé une fortune pour le titre espagnol. Ça m'a coûté trop cher, il faut que tu le gardes. J'ai dit, bien, si j'ai fait le film que je veux, je garderai cette merde de titre. Et je l'ai gardé, ça fait 32. On va pas lire le titre. Si, c'est une fille admirable et la conquête. Voilà. C'est un titre de merde. Être fidèle, mais ne regarde pas avec qui.
Donc il y a aussi quelque chose qui est important. Si tu vas être infidèle, surtout, il faut regarder avec qui. La tradition, c'est lui. Alors maintenant, puisqu'on avait parlé de voyager dans le cinéma de Fernando Trueba, je pense que c'est aussi une constante d'autres réalisateurs espagnols, mais dans le cas de Fernando Trueba, on a dit souvent que son cinéma ne regarde pas uniquement l'Espagne, vous n'avez pas surtout l'Espagne, vous l'avez entendu tout à l'heure. Il a tourné en France, au Portugal, je regarde même, pour ne pas oublier, Brésil, les États-Unis, la Colombie. Et souvent, on a... Tchécoslovaquie, Hongrie, Chili. Oui, Brésil, c'est ce que j'ai dit. Oui. Alors, tu as dit souvent que ton identité, c'était le cinéma, que tu étais citoyenne du cinéma. Oui, parce que... C'est très mal vu aujourd'hui être cosmopolite, comme disait Kant. Mais je sens que tous les hommes, c'est le même, non? C'est la même chose. Je ne comprends pas les différences ni des races, ni des nationalités, ni des religions. Je trouve ça des conneries dont on paye les prix chaque jour. Non? Et tu vois, les Ukrainiens sont comme nous, non? Ils sont comme ta famille. Comme tes amis, la Russe aussi. Alors, pourquoi détruire une maison où il y a des gens qui vivent? Il n'y a aucune idée. Aucune idée. Même la salvation du monde, il n'y a rien qui te justifie de détruire une maison où il y a une famille qui vit. Alors que dans les siècles 20. On continue à faire ça chaque jour, pas seulement avec la guerre en Ukraine, chaque jour, non, partout. Et, non, pas partout, mais pas mal d'endroits. Mais je suis cosmopolite, non? Le pauvre Kant, déjà à la fin du 18e, qui écrivait pour la paix perpétuelle, pour le cosmopolitisme et tout ça, il est insulté par ça, non? Il y a des gens qui insultent ce genre d'idée chaque jour dans les journaux, non? C'est-à-dire qu'il trouve formidable d'avoir une identité très ferme, tout ça. Quand tu penses que l'identité ne sert qu'à te battre avec les autres. Et ce qu'elle te donne, elle ne te donne rien. L'identité ne te donne que des mensonges. Si quelqu'un vient me dire non, grâce à mon identité, et je ne sais pas, je peux danser le folklore des villages de mon père. Va te faire foutre. Toi, avec ton père et son folklore, hein? Fiche-moi la paix. Je peux aimer le folklore des villages de son père, mais aussi d'un village brésilien, ou aussi des Indiens Sioux, pourquoi pas, ou la musique de Harlem, ou le baroque allemand, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire, ton identité? Et ça commence quand quelqu'un pense que sa mère cuisine mieux que les autres. Et ça, à partir de ça, on devient vraiment des démons. Non? Moi qui adore ma mère, que j'ai parlé avec cette dévotion que j'avais pour elle, parce que c'était pas parce qu'elle était ma mère. J'ai la laissé ça tout le temps. Je t'aime pas parce que tu es ma mère. Je t'aime absolument pas pour ça. Si je t'aime, c'est parce que c'est à cause de ce que je t'ai vu faire. Que ça? Non? Et alors, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que j'ai dit ça. Citoyen du cinéma. Oui. Il y a une chanson de Rossens, comme toujours, les imbéciles, eux, qui sont nés quelque part. Hein? Ça dit parfaitement ce que je pense. Non, c'est mon philosophe déchiré. Ouais. Et là, je vais t'amener vers quelque chose que José et moi... Laisse-moi finir ça, parce que j'étais en train... je me souviens. Non, que je n'aime tellement ma mère, mais à chaque fois, je disais, j'aime pas la piscine de ma mère. J'ai découvert le plaisir de manger quand j'étais adulte, et j'ai commencé à manger dans de bons endroits, parce que, évidemment, ma mère, avec son mari et 8... Elle ne pouvait pas jouer faire la Nadia. Hein? Elle devait
nous alimenter. Mais elle ne va pas passer à l'histoire par sa cuisine. Alors, je voulais t'amener vers le territoire des acteurs et des actrices. Donc voilà. Oui, donc juste te dire que bien sûr, tu as travaillé avec les plus grands acteurs et actrices espagnoles, que ce soit évidemment Penélope Cruz, Fernando Fernández Gómez. Vous regardez la... Javier Camara, il y a une liste tellement longue, Antonio Banderas, bien évidemment, bien d'autres, mais également étrangers, Colliac et le Cardinal, Jean Rochefort qu'on a déjà cité, également Jeff Goldblum. C'est-à-dire que la plupart c'est notre vie, en plus au festival, c'est-à-dire quand on reçoit des acteurs, on parle de leur tournage. Alors c'est pour te dire aussi que pratiquement tous ceux qui ont tourné avec toi disent toujours du bien de tes tournages, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien. Et dans l'autre sens, toi-même, tu nous as souvent parlé d'un tournage d'un de tes films qui avait été formidable, si je ne me trompe, c'était La Nuit où se repose à Prague. Et tu nous as dit que c'était un moment de confraternité fantastique. Voilà, alors la question c'est ça, quelle est ta relation avec les acteurs? Comment tu travailles avec eux? Est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir cette idée de fraternité entre vous pour pouvoir bien travailler? Parce que de l'autre côté, je te dis, la plupart disent du bien de tes tournages. Oui, parce que j'ai travaillé dans la complicité, dans l'humour, dans l'amitié. Il y a des acteurs qui adorent souffrir. Alors, s'ils travaillent avec moi, ils se trompent. Parce que je n'ai pas la vocation de torturer. Je n'ai pas. Et je n'aime pas les psychodrames. Non, je n'aime pas. Non. Alors, j'aime, même si on est en train de faire un film dramatique, j'aime être heureux. Non. Donc, c'est comme ça, c'est à cause de... Je suis comme ça, c'est mon caractère, j'étais comme ça toute ma vie. Alors il y a des gens qui adorent les conflits, les problèmes, les discussions, d'inventer, de perdre le temps à parler des choses qui ne servent à rien dans le film, hein? Et comme si c'est très important, quel problème j'avais avec mon père pour prendre un café dans cette scène, non, ce genre de choses. Hein? C'est une blague qui existe. Pourquoi je suis ici? Je me rappelle, je crois que c'était Ingrid Bergman, non? Dans Salama de Hitchcock, tout le jeune disait des choses belles, c'est Hitchcock, logiquement, elle avait travaillé pas mal de fois avec lui. Elle dit qu'un jour, elle avait approché Hitchcock et lui avait dit, Alfred, je ne peux pas faire cette scène parce que je n'arrive pas à éprouver ces sentiments. Non, c'est pas comme mon personnage. Et Hitchcock lui a regardé avec une espèce de... Il lui a dit « fake ». Fake, non ?« Fake ». Fun. Non, alors c'est ça. Les gens n'achètent pas les entrées pour que l'acteur sentent, éprouvent des sensations, tout ça. Non. S'ils les éprouvent, c'est son problème. Chaque acteur a son méthode, il faut le respecter. Mais on va pas au cinéma voir les acteurs travailler. Non. On va au cinéma voir du cinéma, voir un film, oublier la vie, voler au-delà, oublier les problèmes qu'on a, oublier l'ami que tu as perdu. Cette année au Covid, pendant des heures, et avoir cette espèce de vie concentrée de vie qui est un film. Hein? C'est pour ça qu'on va au cinéma. Mais on parlait des acteurs, je ne sais pas quoi je parle. C'est peut-être aussi pourquoi beaucoup de ces acteurs sont devenus aussi tes amis. J'ai pas mal d'amis acteurs, mais. Et j'aime beaucoup travailler avec eux. Mais je dois dire que quand j'ai commencé mon premier film, c'était tous des amis. Sauf pour deux rôles ou trois, on a fait appel à des professionnels. Ces trois professionnels, chacun avait un jour de tournage. C'était deux actrices et un acteur. Le reste, c'était des copains de l'université.
Et quand je devais parler à ces acteurs, j'avais peur. Parce que je pensais que si je leur disais des choses, c'était des gens avec de l'expérience, et que j'étais n'importe qui, j'étais rien, et que si je leur parlais, ils allaient rire de moi, se moquer de moi. Et donc, ça m'a pris un certain temps pour perdre la peur aux acteurs aussi. Non? Et après, quand j'ai perdu la peur, j'ai appris à les aimer beaucoup, à jouer avec eux. Par exemple, je me rappelle, et ça c'est un souvenir très clair, d'un des premiers moments de bonheur dans un film, comme dans la scène. On était au Portugal, en train de tourner L'Agneau de las Luces. On tournait une scène au bord d'une rivière. Et j'ai fait un plan de Chuslan Preave et Veronica Forqué. Les deux sont mortes, malheureusement. Et le scénario, c'était. Le personnage était complètement idiot. Non? Et elle disait tous les deux des conneries, l'une plus grande que l'autre. Et elle faisait ça tellement bien, avec un tel humour, une telle finesse, une telle élégance que je crois que j'ai tourné plusieurs prises qui n'étaient pas nécessaires pour rester là, non, à regarder ces deux actrices. Non? C'était très beau. Et c'est un de mes premiers souvenirs de dire tu peux être heureux dans un tournage. Aussi. Et là, il y a quelque chose aussi qui est la suite à ce que tu viens de dire. Souvent, quand on te pose la question pourquoi tu fais du cinéma, souvent tu dis parce que j'aime beaucoup faire rire. Là, ce soir, on n'a pas beaucoup ri, mais dans le film qui va suivre, on va rire aussi. Alors, le rire. Oui, mais pas tous mes films sont des comédies, mais l'humour, je crois qu'il est toujours présent dans ma vie. C'est une façon d'être pour moi, c'est une façon de regarder la vie. Et j'ai réfléchi, j'ai lu, je dis beaucoup sur ça, ce qui est peut-être une grande perte de temps. Parce que si déjà l'art c'est un mystère, les rires, malgré ces grands savants qui étaient Bergson, c'est une chose où même Freud, il a écrit sur les blagues et les rires, et beaucoup de Aristote déjà a écrit sur ça. Le rire, c'est quelque chose, la comédie, comme elle est née, pourquoi c'est notre façon de s'exprimer? Parce que c'est vrai, je ne sais pas si c'est Aristote ou qui a dit qu'on est un animal qui rit. Non? Il y a d'autres qui ont dit, il y a eu beaucoup de définitions, l'homme est un animal social, l'homme. C'est l'animal qui parle, des choses comme ça, mais j'aime bien la définition de que l'homme, c'est cet animal qui rit, non? Et comment c'est arrivé? Il y avait le film sur la préhistoire de Jean-Jacques Annaud, hein, où il donne sa version, comment ça peut arriver pour la première fois, qui était assez joli et acceptable, on peut dire. Je ne suis pas un fan de Jean-Jacques Annaud, mais quand même, ce film était assez joli, non? Mais les mystères du rire, bon, c'est, non? Pourquoi? Et la comédie est commencée comme un besoin civique. C'est-à-dire que c'était quelque chose, et curieusement, ça donne raison à ces philosophes français, Clément Rosset, que je citais avant, qui disait souvent que la tragédie et la joie allaient ensemble, que c'était la même chose. Alors tu te dis, mais pourquoi dans les fêtes grecques, d'abord d'une façon très, très élémentaire avec le carnaval, les dithyrambes et tout ça, mais puis comment la comédie et la tragédie naissent ensemble, se développent ensemble, se complètement d'une certaine façon, parce qu'on sait que même si on n'a pas de comédie de Sophocle,
on sait qu'il les a écrits. Hein? Et comment les concours, il y avait toujours les tragédies et les comédies. C'était deux choses nécessaires à la formation des citoyens grecs. C'est-à-dire, la tragédie te mettait en face des grands problèmes moraux ou nationaux ou des problèmes philosophiques, de la mort, de l'oubris, etc. Et la comédie, c'était rire du pouvoir. Comme le carnaval, qui avait la permission de rire, de moquer du pouvoir. Et ça a passé par plusieurs étapes. Dans une première étape, la comédie, tu pouvais te moquer de Socrate, d'Euripide, d'Esquille, de Péricle, de tout ça, jusqu'à que Alcibiades, il a fait une loi qui fait que tu es moqué de tout le monde, mais sans dire son nom. Il faut que tu changes le nom. Pendant un peu de temps, quelques années, parce que tout s'est passé très vite, il y a une nouvelle loi qui a dit tu ne peux pas te moquer même avec un autre nom. Parce que si on dit tu te moques de Paperon et les gens découvrent que c'est Macron, alors c'est la même chose. Ils ont découvert ça très vite. Peut-être c'était 10 ans, moi. Je ne me rappelle pas exactement cette dernière loi. Donc à ce moment-là est né ce qu'on appelle la comédie nouvelle en Grèce. Non? La comédie ancienne, c'était Aristophane et tout ça. Et c'est parenthèse au milieu, c'était la comédie moyenne qu'on peut dire, bon, ça c'est une chose inventée par les critiques et les historiens. Et puis la comédie nouvelle. Et la comédie nouvelle, c'est Ménandre. Et Ménandre, c'est un garçon tombe amoureux d'une fille et il y a plein de difficultés et à la fin il arrive à se marier. Donc c'est-à-dire ce qu'on on fait maintenant. La comédie romantique et tout ça. Et tout ça. De Ménandre ici, rien n'a changé. C'est la même chose. C'est les Grecs qui ont tout fait, qui ont exploré toutes les possibilités, ils ont tout fait. Mais moi, ça m'obsède pas seulement de faire rire, mais essayer de savoir quelque chose sur l'humour, même si c'est impossible de savoir. La plupart des choses importantes, je pense qu'on peut beaucoup lire, on peut beaucoup parler, écrire, mais on ne peut rien savoir. Les choses qui sont importantes, tu n'apprendras jamais rien. C'est seulement des choses secondaires, comme on fait des moules aux fruits. Ça, tu peux apprendre. Et tu fais un peu à ta façon, chacun fait à sa façon. Mais les choses importantes de la vie, c'est impossible d'apprendre rien. Hein? Alors, on va aller vers le dernier film, le film que nous allons voir tout à l'heure. Et là, c'est un travail extraordinaire, puisque ça part d'un roman d'Hector Havard. C'est un roman que tu aimes beaucoup, que tu offres beaucoup à tes amis. Et donc, il y a tout un processus de construction. On te propose de faire une adaptation ou partir de ce roman pour faire un film. C'est la Colombie dont tu as parlé. Mais il m'aimerait que tu nous parles de ce processus. Donc, depuis le moment où tu lis cet ouvrage qui te fascine, que j'ai eu l'occasion de recevoir dans le Café Gijón de Madrid, où tu nous parlais à un moment donné où tu avais présenté l'artiste Sean Model à l'Institut français de Madrid, on était le Café Gijón, il y avait vraiment toute une série de personnes qui étaient là à écouter, il y avait le projet qui commençait, et donc à partir de là, il y a le film que nous allons découvrir ce soir. Oui, l'histoire de comment ce film est arrivé à moi, c'est que et un producteur colombien et l'auteur du livre, colombien aussi, Hector Havard, ils m'ont contacté pour m'offrir le projet. J'avais lu le livre quand il était sorti cette année avant, quelque chose comme ça. J'avais adoré. Je l'avais donné à plusieurs de mes frères comme cadeau. Je l'avais donné à ma mère, qui avait adoré ce livre, qui l'avait lu deux fois. Et donc, ce qui n'arrive jamais, parce que normalement, on te téléphone pour t'offrir des choses qui ne t'intéressent pas, ou des livres qui ne t'aiment pas. Ça, c'est la vie normale, la différence. Et tout à coup, on me propose de faire un film d'un livre que j'ai adoré, qui m'a fait pleurer, qui m'a beaucoup touché, que j'ai fait cadeau peut-être plus que d'un. Toujours
toujours, quand quelqu'un de ma famille ou des amis avait 15 ans, je lui donnais toujours les grandes monnes et les 4 shillings de rye. Mais quand j'ai lu aux adultes, depuis que j'ai lu le livre de Ludwig Mussorgsky, j'ai donné ce livre à tout le monde. J'ai fait ce cadeau tout le temps, tout le temps. Et tout à coup, on te téléphone pour t'offrir ça. Et ma réaction, je me réunis avec elle et je leur dis, mais vous êtes complètement fou. On ne peut pas faire ça. Je ne veux pas le faire. Je crois qu'on ne peut pas faire un film de ça. Et même, on ne doit pas le faire. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, parce qu'il y a des problèmes techniques à résoudre que je trouve qu'on ne peut pas résoudre dans l'histoire. Puis, c'est une histoire très intime à toi. C'est un récit à la première personne de ton enfance, tes rapports avec ton père, tout ça. Alors, je devrais faire un film pour faire l'équivalent de ça. Ça ne serait pas une adaptation, ça serait que je fasse un film sur mon père ou sur ma mère. Non, parce que... Ton livre, c'est sincère, c'est vrai tout le temps. Et un film, c'est une représentation. C'est des gens de lycée avec des perruques, avec des vêtements, qui prétendent être quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est le contraire de l'esprit de ton livre. Puis, je lui ai donné tout genre de raisons. Et à la fin, je lui ai donné la raison aussi de chronologique de toutes les années qui se passent. Dans le livre, il se passe 25 ans, un après l'autre, comme ça. J'ai dit, absolument, on ne peut pas faire ça. Et à la fin de toutes les raisons rationnelles que je lui ai dit, et puis, il y a une autre raison que j'avoue, c'est une lâcheté, mais faire un film d'un bon livre, c'est con. Hein? Je lui ai raconté les fameuses blagues à Hollywood depuis les années 20, que c'est, tomber à l'intérieur de la basura, hors de la ville. Il y a toute l'ordure là, de la ville, de Los Angeles, et il y a deux chèvres qui sont en train de manger de la merde. Et il y a une chèvre qui a trouvé une bobine de pellicule, elle est en train de manger, et l'autre la regarde, elle a dit « c'est bon » et la chèvre a dit « je préférais le livre ». Alors, ça c'est une blague très ancienne de Hollywood. Et je lui ai raconté ça, il serait un idiot, un livre que j'aime tellement, parce que ce qui va se passer, c'est que je reconnais que c'est lâche de dire ça, mais c'est humain. Non? Pourquoi tu vas faire ça? Puis on peut dire, Hamlet, c'est incroyable, non? Et il y a 50 ou une centaine de versions, chacun peut faire sa version. On peut trouver tous les arguments, mais je lui ai donné cet argument. Alors, je les ai remerciés, je les ai dit que j'étais vraiment flatté de l'offre, mec. Je n'allais pas faire ça. Alors il m'a dit, avec une élégance incroyable, c'est le producteur, c'est un vrai dandy, comme il n'existe plus. Et il m'a dit, Fernando, en partant, et tu ne pourrais pas relire les livres une fois, en essayant peut-être de trouver un angle cinématographique pour cette histoire. Je l'ai regardé, j'ai dit, j'aime tellement les livres que j'ai n'importe quel prétexte à le lire une fois plus, j'achète, je le ferai. Mais je ne vais pas changer mon opinion, ça je te l'ai dit déjà. Alors je l'ai relu et j'ai pensé la même chose. On ne peut pas le faire. Bon, le problème du temps qui passe, peut-être si on ferait ça et ça et ça, on pourrait... Et j'ai commencé, je suis tombé dans le piège. Je suis commencé à trouver des façons, à la fin j'ai accepté, j'ai fait le film, et je suis tellement content. Chaque fois dans ma vie que j'ai changé mes opinions, ça a été pour le meilleur toujours. C'est pour changer d'opinion. Hein? David arrive. David arrive, c'est aussi... David qui a fait l'adaptation, c'est aussi la chance, parce que David c'est mon plus jeune frère, qui a 15 ans de moins que moi, qui a écrit des romans,
des scénarios, qui dirige des films aussi, et qui est l'homme le plus occupé que je connais. Alors, parce qu'il fait tellement de travail tout le temps. Et alors, je les ai dit, au producteur, quand j'ai accepté, j'ai dit, il faut que vous me laissez 2 mois que je suis en train de finir un scénario. Et je ne peux pas laisser les gens comme ça pour écrire une autre chose. Et ils m'ont dit, ah, mais tu ne peux pas. Non, 2 mois, mais vous pouvez attendre 2 mois, non? Et ils me disent, il n'y a pas quelqu'un de confiance qui peut commencer un peu à travailler, tout ça, pendant que tu as fini l'autre scénario. Il y avait plus Afkona, plus Carrière. Il y avait mon frère qui a écrit pour moi la meilleure adaptation d'un roman en Espagne qui est Salvador de Salamina. Le travail sur le livre, c'est incroyable. Et j'ai dit, il y a une personne, mais il est le mec le plus occupé que je connais. Alors je téléphone David et il me dit, si c'est pour commencer demain, ok, parce que je viens de finir un roman et de finir le montage d'un film. Mais si tu me dis ça dans 2 mois, je serai en train de faire une autre chose. Mais si c'est maintenant, je dis c'est maintenant, parce qu'ils ne sont pas capables de m'attendre de moi, ils me demandent des choses pour quelqu'un. Alors je me mets parce que j'aime bien le livre. Alors c'était une chance pour moi, le film. C'était un bonheur parce qu'il a fait un travail super d'adaptation. Donc, juste peut-être une dernière question sur le film, parce qu'après on va vous passer la parole. Un pari osé, c'est le rôle de Camara, prendre donc un espagnol pour jouer un médecin colombien, quand on sait les accents très marqués qu'il y a en Amérique latine. Comment s'est fait ce choix de l'acteur? Dans le cinéma américain, on voit tout le temps des Anglais qui jouent des Américains, des Américains qui jouent des Anglais, des gens du Nord qui jouent des gens du Sud, les gens de l'Est qui jouent les gens de l'Ouest, non? Et pour eux, c'est normal, ça c'est une partie du travail de l'acteur. C'est de recréer un autre accent, une autre langue et tout ça. De toute façon, dans ces cas concrets, et ma première idée, quand j'ai dit « Ok, je le fais », la toute première chose que j'ai pensée, c'était « Dommage que Javier Camara ne soit pas colombien, parce qu'il serait tellement parfait. » Alors, quand Rémière, email de l'auteur du livre, il y a un acteur en Espagne qui me rappelle beaucoup mon père, Javier Camara. Mais le film, c'était une production colombienne, a tourné en Colombie, et le producteur pensait, avec raison, que le rôle devait être joué par un Colombien, pas seulement ce rôle, mais pour le rôle du film, parce que ce sont tous des Colombiens, sauf un personnage qui était américain. Alors, je faisais le casting pour le film, pour tous les personnages, et aussi pour les docteurs. Et j'ai vu le meilleur acteur de Colombie, où il y a vraiment de très bons acteurs. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est Javier, il peut faire l'accent, il est prédestiné. Je me rappelle les jours, je ne crois pas dans la prédestination, mais il y avait quelques années, 3 ans avant, ou quelque chose comme ça, il passe chez nous, à Madrid, Javier, avant ce projet, 3 ans avant, pour nous dire au revoir, parce que je pars pour la Colombie, 4 mois, je vais tourner une session de Narcos. Et je lui ai dit, bon, si tu vas à la Colombie, il faut que tu lises ce livre. J'ai pris l'olvido et je lui ai fait cadeau. Incroyable. Qui nous aurait dit que quelques années plus tard, on serait tous les deux à Colombie à faire ça? Et donc, on a dit, on le fait. Alors, quand je lui ai proposé, il adorait les livres, il adorait les personnages, mais comme Billy Wilder le premier jour, il chiait dans ses pantalons. Mais il a accepté le défi et il l'a fait incroyable. Parce que ça, il ne s'agissait pas de faire l'accent colombien. Parce que l'accent de Bogota n'a rien à voir avec l'accent paisa de Medellín, rien à voir. Mais aussi, il ne s'agissait pas de faire l'accent de Medellín, que tu écoutes dans la rive, comme ça, l'accent populaire de là. Il s'agissait de faire
l'accent de ce personnage qui était un homme, un docteur, qui professeur à la faculté de médecine, qui avait vécu aux États-Unis, qui parlait plusieurs langues, qui parlait à la radio, qui avait, c'est-à-dire qui avait un accent des Colombiens illustrés, donc qui était propre à lui. Et c'est ça qui Javier a travaillé et qui a réussi au point qu'il a été accepté par la famille. C'était incroyable que même la veuve, la mère de l'auteur des livres, me disait je vois Javier et j'ai envie de parler avec lui, de lui demander des choses, qu'est-ce qui s'est passé de ça et de ça et de ça. Il était tellement ému de comme il avait incarné, non, incarné son mari, non. Ça, c'est beaucoup de choses très touchantes qui se sont passées. Là, je crois que oui. Qu'on va. Je vais regarder Benjamin qui est notre responsable de soirée et on va vous donner la parole pour poser des questions courtes afin qu'il y ait plusieurs questions qui soient vraiment retenues auxquelles on puisse répondre. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Oui. De la main, on vous donnera un micro. N'hésitez pas, autrement, nous on a une batterie de questions extraordinaire. On n'a vraiment pas épuisé nos questions. Il y a une question là. Bonsoir. Une question très courte. Quel a été le film le plus difficile pour vous à tourner et pourquoi? Curieusement, peut-être. Il y a plusieurs qui étaient très difficiles. Par exemple, c'était très difficile de tourner Too Much aux États-Unis par le système et la façon des Américains de travailler. Puis par le pouvoir de ces stars. Je me rappelle que juste avant de faire ce film, Billy Wilder m'avait donné un conseil. Fernando, travaille avec des acteurs, pas avec des stars. J'ai dû regarder. Il lui a dit, mais Billy, tu as travaillé avec Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, je ne sais pas, papa, et tu m'as dit de ne pas travailler avec des stars. Et il me dit, à cause de ça. Et tu n'avais aucun regard, évidemment, sur le final cut, sur aux États-Unis. Je l'avais. Tu l'avais même aux États-Unis, tu l'avais. Oui, j'étais coproducteur du film. D'accord. Ils ont essayé de me convaincre, pas de changer les choses comme ils font tout le temps. Non, je dis non. Alors, une autre question. On a fait le deuxième rang. On continue. Oui. Ah, il y a le micro aussi, là. Je pensais qu'il devait sauter. C'est sûr. Donc, on remercie les bénévoles en même temps que le micro circule, puisque ce sont les bénévoles du festival qui s'occupent de cela. Merci. Madame Terrinada, muchas gracias. Est-ce que tu peux parler français, s'il te plaît? Parce que sûrement, on devra traduire et ça va être un peu plus long. C'était juste pour remercier de venir ici. Merci. Et ensuite, ma question, une fois que vous avez remporté l'Oscar au meilleur film en 92 avec Belle Époque, vous n'avez pas ressenti une sorte de pression pour l'avenir, pour les films qui ont suivi? Ou comment vous avez fait en fait pour continuer votre parcours en disant voilà, j'ai atteint mon summum, et maintenant, je ne sais pas quoi faire? Non, je n'ai pas senti la pression du tout parce que. J'ai toujours dit que l'Oscar, c'est une connerie totale, non? Et même si c'est une connerie formidable, que si tu as la chance de l'avoir dans ta vie, il faut que tu profites de ça. Pour la chose qui est toujours la plus importante, comme on parlait avant, c'est-à-dire l'indépendance, la liberté, pour faire tes projets avec le plus de liberté possible. Mais de là à croire que l'Oscar te fait meilleur que ton voisin, ça, je n'ai jamais. Mais
C'est vrai, je vais pas me plaindre, au contraire, c'est bon. Ça a été une très bonne surprise, parce que cette année, le film favori de tout le monde était un film chinois, un film de La Concubine, de Chen Kaige. Et nous, on n'était pas vraiment considérés. Il y a une personne, une seule personne qui m'a dit « Qui va gagner ?» C'était Billy Wilder. Et je lui ai dit « Non, Billy, c'est tout le monde le sait, c'est le favori de tous, de la critique, c'est le film chinois. » Il m'a regardé comme ça, il m'a dit « One hour too long !» Et il m'a dit « You are gonna win !» Tu vas gagner. C'est une heure de trop. Ouais. Bon, donc, on n'était pas les favoris et on a gagné. Le vieil Wilder avait raison. Quelques années plus tard, on était là avec Mariscal et Chico Rita. On était nominés pour l'Oscar d'animation et on était les favoris de tous les. Et c'est un film de Paramount qui a gagné. La vie, c'est comme ça. Alors, une dernière question. Si ? Oui. C'était juste pour savoir si, dans l'avenir, avec quel genre d'acteur, quel acteur, quelle actrice vous aimeriez bien tourner ? Ouais. Tu sais que j'aime bien tourner avec les acteurs que je connais déjà, que j'ai travaillé. Mais c'est pas, il y a tellement de bons acteurs que. Quand on aimerait tourner, mais ça veut dire quoi que tu aimerais tourner si tu aurais un... Ça vous ferait plaisir en fait des acteurs que, avec lesquels vous n'avez jamais encore eu l'opportunité de travailler ensemble. Oui, j'adorerais, dans une idée comme ça abstraite, parce que je n'ai pas un scénario pour ça, j'adorerais travailler avec Emma Thompson, avec Kate Winslet, avec Angela Molina. Il y a des acteurs que j'aimerais bien travailler. Surtout, l'acteur que j'aimerais le plus travailler du monde, c'est avec Cary Grant. Pour moi, c'est l'acteur. L'acteur de cinéma, qui est une chose très spéciale. Je l'ai fait. Alors, dernière question. Oui, je voulais justement profiter de vous parler de travailler avec acteurs, de nous parler un peu de ce que ça représente de travailler de l'animation. Tu sais, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais faire des films d'animation. C'est une grande surprise pour moi. Et de la même façon, quand j'ai fait mon premier film, j'imaginais que je ferais, si je faisais, d'abord que je ferais plus de films, parce que c'était tellement improbable ça. Mais j'étais complètement sûr que je ne ferais jamais des films d'époque. Non ? On dit en français des films d'époque. Et je fais pas mal de films d'époque. Et animation, ça ne m'avait jamais croisé la tête, cette idée. Mais ça a été à cause de mon amitié pour Mariscal. Et comment j'aime son style, ses dessins, ses couleurs, tout ça. Et qu'on a fini par faire Chico Rita, je pense, juste pour le plaisir d'être ensemble, de travailler ensemble, l'amitié et tout ça. Et là, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas réfléchi, parce que c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas tellement. Parce que même quand j'étais petit, je n'aimais pas Disney, non ? Je n'aimais pas... Je trouvais qu'il y avait quelque chose de malsain dans les films de Disney, non ? Toujours quelque chose sale, laide, obscur, qui ne me plaisait pas du tout. Et le seul film qui m'avait plu de lui, c'était le Livre de la Jungle. Et après, je sais qu'il n'avait pas participé du tout. C'était le dernier film qu'il avait vu, qu'il avait détesté, peut-être parce qu'il n'y avait pas les mâles dedans. Il n'y avait pas cette chose, cette force obscure dont il a besoin tout le temps. Il y a quelque chose de monstrueux dans ce film. Et le Livre de la Jungle, c'est tellement propre.
C'est tellement joli à regarder, c'est tellement beau, le dessin, la musique. Je trouve que c'est un film formidable. Et quand j'ai appris qu'il avait détesté, ça m'a rassuré. Ouais. Donc j'avais raison sur Disney, je ne me trompais pas. Mais j'ai découvert en faisant Chico Rita que l'animation c'était le langage idéal pour certaines histoires. Donc, évidemment, pour moi, il y avait que le cinéma, la fiction, le documentaire. C'était les deux possibilités d'approcher une histoire, raconter tout ça. Et par exemple, maintenant, je suis en train de finir mon deuxième film d'animation avec Mariscal, à nouveau. Et on parlait de ça aujourd'hui dans le content de déjeuner. Et je disais, c'est un film que j'ai commencé il y a beaucoup d'années en pensant que j'allais faire un documentaire. Alors j'ai investigué une affaire, la disparition d'un musicien dans les années 70. J'ai beaucoup investigué, j'ai interviewé 160 personnes de différents pays, surtout au Brésil, mais aussi beaucoup aux États-Unis, en Argentine, tout ça. Pour ces documentaires, j'ai filmé des interviews, tout ça. Et un jour, je me suis rendu compte, pourquoi tu vas faire ça, un documentaire? Tu veux faire un autre documentaire, des gens qui parlent, « Ah oui, je le connaissais. Ah, qu'est-ce qu'il était bon, je l'aimais beaucoup, lui. Ah, j'ai joué avec lui dans son groupe pendant quelques années. » Et des gens qui parlent l'un après l'autre, des souvenirs qu'ils ont de lui. Et je me suis rendu compte, c'est pas juste. C'est pas juste envers lui, envers le personnage, envers le pianiste, qui est le personnage de mon film. Alors je me suis rendu compte, avec l'animation, il pourra être vivant, il pourra être en train de jouer, on le verra jouer son piano, sa musique et tout ça. Donc je me suis rendu compte que c'était le langage idéal pour cette histoire, et j'ai retourné à l'animation pour faire l'histoire de nos lieux de venir, qui est mon prochain film, qui sera fini à la fin de l'année. Donc, Fernando sera à nouveau là. Ah, en 2023. Il ne faut pas le dire parce qu'il faut une sélection, etc. Mais bon, on aimerait beaucoup, beaucoup. L'histoire est vraiment très, très belle. Si vous le rejetez, je viendrai, je le passe dans la place. Donc, là, il ne nous reste plus qu'à te remercier vraiment beaucoup de cette rencontre. On ne va pas dire masterclass, on ne va pas dire ça, c'était une rencontre qui était vraiment importante, je crois, pour le public, qui aurait dû te rencontrer au mois de janvier, qui était une période un petit peu difficile du point de vue santé. Mais ça nous a permis de faire une rencontre élargie dans ce théâtre, qui est un lieu où tu es venu également à différentes reprises. Donc voilà. Merci à vous.